Hey matelot, ici Défroy, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel pour réaliser cette maison derrière moi sur Minecraft. Je te montre à quoi ça ressemble quand même vite fait à nouveau. Alors la dernière fois je vous avais montré comment débuter la construction de cette maison-là, donc j'avais fait tous les patterns au sol. Là, je vous remontre quand même vite fait à quoi ça ressemble. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, bah, sachez qu'il y a une première partie à ce tutoriel qui est du coup cette maison-là a été fait en partie déjà. Donc il faut aller regarder la première partie de ce tutoriel pour pouvoir réaliser cette maison, parce que sinon vous allez rien comprendre. Et évidemment, il y aura dans la dernière partie de ce tutoriel, donc la troisième et dernière partie demain normalement, la manière dont comment on pourra faire ce champ là sur Minecraft. Donc il y a un champ en permaculture, oui, vous voyez, avec plein de zones, voilà, toutes courbées les unes les autres. Et il y aura plusieurs designs de ce champ là, comme ça, que je vais proposer d'ailleurs sur cette chaîne là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, nous on se retrouve sur le plan qu'on en était resté la dernière fois. Voilà à quoi ça ressemble du coup. C'est vrai que ça pue la même tronche maintenant. Alors, l'idée c'est que. Alors, ça on avait déjà depuis la dernière fois, ok. L'idée du coup c'est que. On va. Hop. Alors, vous voyez les pointillés là, on va quand même les prendre en compte. En gros, notre première partie ici c'est qu'on va prendre le grand rectangle qui est ici là. Vous voyez? Celui-là, de là-bas, tout jusque là-bas, là-bas. Et celui-là, ok, on va le faire monter à 10 blocs de hauteur. Voilà, comme ça, hein. Donc ça va être vraiment la partie centrale au milieu de la maison, d'accord? Alors évidemment, on va quand même enlever la partie des murs qu'il y a à l'intérieur de notre rectangle qu'il y a ici, là, vous voyez, celui-là, hop, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Il y a deux murs à l'intérieur, on va les enlever. Et du coup, en parlant de notre rectangle central ici, vous voyez, eh bien lui aussi, ce rectangle-là, hein, on va le monter à 10 blocs de hauteur lui aussi. Ok, donc voilà. Et comme pour l'autre partie, bien évidemment, on va enlever les murs qu'il y a entre cette partie-là, hein, vous voyez, donc ce mur-là et ce mur-là, on l'enlève bien évidemment. Voilà. Et donc on a notre structure qui est comme ça pour le départ. Ok, du coup maintenant on va sur ce côté-là du bâtiment et tout ce mur qui est ici là, vous voyez, ici, et qui se prolonge de l'autre côté du mur ici, donc ce bout-là, ok, ainsi que le bout ici là-bas, on va le monter à 5 blocs de hauteur. Voilà l'idée. Alors juste pour le départ, on va pas faire la petite encoche ici. La petite encoche qu'on avait fait du coup lors du dernier épisode. On va la laisser comme ça, on va la garder en tant que repère pour l'instant, ok? Donc cette partie-là. Évidemment, là, on a mis nos murs de l'autre côté, pareil, hein? Hop, on va de l'autre côté ici. On peut enlever toute la partie du mur qui est à l'intérieur à ce niveau-là, hein? On n'en a pas besoin. Hop. L'idée, c'est que les... Alors, le rectangle ici, là, comme ça, ok? Et celui-là aussi, juste à côté, on va monter à 5 blocs de hauteur, sauf que la partie qui est ici, ok, eh bien celle-là, on ne va pas la toucher pour l'instant. Ok, donc on prend juste cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, hop là-bas, et la même chose ici. Et on monte cette partie-là à 5 blocs de hauteur. Ok, donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir enlever la partie du mur qu'il y a ici, vous voyez. L'idée c'est que tout ici, là, ça sera une seule pièce, donc la partie du mur ici, on peut l'enlever, voilà. Ok, et donc ici, là, on peut tout simplement boucher directement avec des blocs, parce que ça va être une terrasse, en fait, tout simplement. Il y aura une pergola par-dessus, et ça sera une terrasse semi-couverte. Hop, voilà. Donc ici, ce sera une terrasse, comme ici, d'ailleurs, hein, vous voyez, tout ici, là, ça sera recouvert de bois de... comment on appelle ça? De bois de sapin, hein, classiquement. Alors l'idée c'est que on va faire la terrasse tout de suite comme ça sera fait, mais on va pas la faire comme ça à un bloc au-dessus du sol. Vous voyez là, j'ai posé les repères la dernière fois, hein, lors de la dernière vidéo. C'est les repères que j'avais posés. On va les faire à un bloc à l'intérieur, vous voyez, du sol ici comme ça. Ok? Donc on va faire exactement la même chose, sauf que on va les faire à un bloc dans le sol et on va juste pas toucher les piliers. Les piliers, eux, ils sont très très bien, donc on va pas les toucher. Hop, on enlève tous ces piliers-là, vous voyez, et on les met un bloc dans le sol. Hop, voilà, et on fait ça du coup sur tout le reste. Et en revenant sur mon modèle, je me suis rendu compte du coup que la terrasse, elle était en bois
classique. Et en fait, la bordure ici, elles sont en escalier. Donc, on va rechanger ce que j'ai fait. Et on va venir mettre des escaliers à la place. Voilà, donc on va prendre des escaliers et des barrières en bois de chêne noir, ainsi que des blocs de bois de chêne pour pouvoir faire les piliers comme ça, qui vont être à 7 blocs, à 6 blocs d'écart chacun. Voilà, comme ça au moins on est clair. Voilà, donc on revient ici et on va prendre du coup les blocs de bois de chêne pour pouvoir les mettre, de mettre des piliers en fait tout le long de notre terrain à ce niveau-là. Donc entre les deux piliers qu'on avait fait la dernière fois, on va en mettre un en plein milieu. Donc on va partir du bord, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement c'est ça, on est plutôt bien. Donc on a 7 de chaque côté normalement. Ok, très bien. Donc on met des piliers comme ça en bois de chêne. Et on va en mettre du coup tous les 7 blocs d'écart. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ici. Comme ça on est au bout. Hop. Hop, voilà. Et alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici comme ça. Pareil de l'autre côté, du coup, tous les 7 blocs. 3, voilà. Donc ici comme ça, hein. Ok, donc du coup maintenant à la place des blocs en bois de sapin ici comme ça, on va tout simplement mettre des escaliers à l'envers de chêne sombre, de chêne noir plutôt, ok. Et par dessus on va mettre des barrières, hop, de chêne noir comme ça, et on va faire ça sur toute la longueur de notre terrasse. Hop, voilà ce que ça donne du coup. Alors maintenant qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre le sol à notre maison et à notre terrasse. Hop, ça va être la même chose, on va utiliser les planches de chêne comme ça du coup, et on va venir au niveau de l'arrière de nos escaliers ici, tu vois, à ce niveau-là, et on va venir remplir toute la surface qu'il y a entre notre barrière et la maison, mais on va aussi faire le dessous de la maison ici, vous voyez, donc ça sera directement au niveau du sol, et ici, hein, on remplace le sol et on mettra des blocs à l'intérieur, on va pas mettre des blocs par-dessus le sol, hein, comme j'ai fait ici, là c'était juste des repères, hop. Et donc voilà, on refait donc toute la terrasse et tout le dessous, enfin tout le plancher on va dire de notre maison ici comme ça, vous voyez, et on va le faire tout en bois de chêne. Alors du coup j'ai juste envie de préciser un truc, c'est que ici vous voyez j'ai gardé un mur entre cette partie là de la maison et la partie ici, on va pas le garder bien évidemment ce mur, hein, on va l'enlever, on va garder juste un bloc à ce niveau là, vous voyez, hein, une ligne de bloc comme ça sur toute la longueur. Et puis c'est tout, toute la partie du reste du mur, on va l'enlever ici comme ça, hop, hop, et on va faire la même chose de ce côté là, parce que vous voyez ici il n'y a aucune ouverture alors que il y a des parties de la maison à ce niveau là, donc on va ouvrir sur 4 blocs de hauteur, hop, voilà, paf et paf, voilà. Donc une fois qu'on a cette ouverture là, on enlève tout le sol ici et on met du plancher à la place, pareil du coup au niveau de la terrasse. Voilà un peu ce que ça donne, alors on voit quand même que ça commence à avancer notre maison. Alors l'idée maintenant c'est qu'on va utiliser les blocs de bois de chêne pour pouvoir faire les côtés des maisons, parce que l'idée c'est que, comme on le voit sur notre modèle ici, les côtés des maisons, en fait les angles, les coins comme ça, on va les mettre en blocs de bois de chêne pour faire les poutres, vous voyez. Ici comme ça, hein. Hop, ici aussi, on va les mettre des blocs de bois de chêne, ainsi que vous voyez, certains piliers ici, on va les prolonger pour tenir la toiture. Hop, donc c'est cohérent quand même, hein, comme histoire, mon bazar, hein. Vous voyez, donc des bois ici comme ça, et ici comme ça. Donc voilà, on va faire ça un peu partout sur notre maison. Donc, hop, voilà, ici, là, sur les coins, pouf, on met des blocs de chêne face vers le haut quand même, évidemment. Hop, au niveau de chaque coin, hop, vous voyez, ici comme ça, donc ici, ici, là-bas, ici, hop, on va en mettre ici aussi, puis ici, là, vous voyez, ici, ici, là-bas, etc., etc. Ok, donc, juste petite précision, une fois qu'on a mis tous nos poutres comme ça au niveau des coins, sur les coins à ce niveau-là, sur les parties à ce niveau-là du bâtiment, on va pas mettre directement les poutres dans les coins comme j'avais fait. L'idée c'est qu'on va décaler de un bloc comme ça et qu'on va mettre les poutres sur le devant du mur et non pas incrusté dans le mur. Et on va le faire du coup voilà, jusqu'à la hauteur du mur, jusqu'à 10 blocs de hauteur, comme ça, et puis c'est tout. Voilà, alors maintenant une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place les charpentes pour pouvoir faire le toit. On va faire la façade principale du bâtiment qui est particulière.
Hop, donc on va prendre nos blocs de bois pour faire des repères au niveau du sol. Donc on va mettre des blocs comme ça, vous voyez. Hop, c'est-à-dire qu'on prend notre repère ici, on en met deux sur la diagonale, puis deux ici. Hop, et on va faire une avancée comme ça au niveau de notre centre, notre façade de bâtiment. Et on va venir prendre notre bois de chêne pour mettre au niveau du bloc du milieu ici. Hop, vous voyez, un grand pilier pour pouvoir soutenir la future toiture qu'on va mettre par-dessus. Hop, et donc du coup, tout ce mur là en bois, il ne sert plus à rien, donc on l'enlève. Hein. Mais on va quand même faire les repères pour faire les toits. Alors du coup, le toit, on va quand même, hop, mettre un repère ici, comme ça. Donc on va faire venir un triangle par-dessus ici. Hop, pour pouvoir poser un toit comme ça. Donc le toit, il va se faire poser par-dessus tout ce truc là. Le triangle qu'on vient de faire ici, il va s'enlever après, parce que l'avant de la maison, elle va être un peu différente. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de faire ici, on va l'enlever plus tard, mais c'est nécessaire pour faire notre plan de toit. Ok, donc ici par contre, on va le garder, on va faire notre pyramide pareil en bois ici comme ça. Youp. Et cette fois-ci, on va la garder. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est juste les charpentes pour pouvoir tenir les toits. Donc ce truc-là, on va le garder. Pareil à ce niveau-là. Hop. Après, on va tailler dedans aussi, mais hop. Voilà. L'idée, c'est qu'on va utiliser ces trucs-là pour pouvoir poser le toit, tout simplement, pour lui donner une forme. Et donc, on va faire la même chose, du coup, sur cette partie-là. Ok, sur cette partie-là, ici. On va continuer notre toit aussi, à faire des triangles. Alors, normalement, on devrait en faire un de cette partie-là aussi, sauf que comme ça va être l'arrière de notre maison, voilà, ça va être un peu différent. Donc, je laisse cette partie-là comme ça pour l'instant. On va en refaire un ici, sur cette partie-là. Ok, ici, là. Ok, et on va en faire aussi du coup sur la partie ici, sur la partie ici là, et sur la dernière partie à ce niveau là. Alors ça va être exactement comme l'arrière, enfin comme l'autre côté ici, sauf que comme on a notre morceau de mur ici qui est coupé, eh bien on ne fera qu'une partie de la chose, vous voyez. Donc on va faire, l'idée c'est d'être symétrique par rapport à l'autre en face. Ok, donc on va faire un truc comme ça, ok, vous voyez, donc c'est pas symétrique ici. Très bien, donc une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on va venir utiliser les escaliers en boîte de sapin. Les escaliers en boîte de sapin, hop, ici comme ça, vous voyez. Et on utilisera aussi les escaliers en chêne noir, mais ça on fera plus tard. L'idée c'est que on va venir mettre les escaliers ici comme ça par-dessus notre structure. Hop, 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 hop. Et hop, ici aussi, donc un qui dépasse du mur ici. Et on va venir les faire dépasser du mur aussi de un bloc sur la façade de chaque côté. Hein. Ce que je fais là, on le fera sur chaque partie du toit. Hein. Ok. Et donc, pouf, pouf, pouf. Hop, ok, paf. Ah, je clique n'importe où. Voilà, une fois qu'on aura fait ça, on va tout simplement prolonger cette forme de toit là. Tout jusqu'à l'autre côté de notre maison à chaque fois, et ce sur chaque partie. Par exemple, cette partie là du toit, je vais la prolonger tout jusqu'au bout là-bas. Cette partie qui va venir sur ce toit ici, on va la prolonger tout jusqu'à l'autre côté à ce niveau là. Ok, la partie du toit qu'on va mettre ici là, on va la prolonger sur toute la longueur, tout jusqu'à là-bas. Alors on va pas couper la partie du mur qu'il y a ici, hein, vous voyez, parce que si on prolonge notre toit ici comme ça en mettant des escaliers, hop, comme ça, eh bien, on s'arrête au niveau du mur, hein, tout simplement. On va pas casser le mur pour passer au travers. Non, non, on reprend de la même manière de l'autre côté, et après, on pose jusque là-bas. Et voilà, etc., etc., on refait ça, du coup, ici, ici, là-bas, ici, et on pose les toits partout. Voilà ce que ça donne. Alors, du coup, on n'a pas encore fait la façade avant, c'est ce qu'on va faire ici. Mais je te fais un petit tour, hein, pour vraiment voir si tu as la même chose sur ton jeu. Parce que voilà un petit peu l'idée. Alors, on va faire l'avant et l'arrière de la maison quand même un minimum. L'idée, c'est qu'on va venir prolonger les barrières, pas du tout, les piliers ici, vous voyez, les bois de chêne qui sont en face
de nos piliers à ce niveau-là. On va quand même enlever, hop, ici, le mur ici et le mur ici avant. Voilà. Et on va prolonger nos, hop, piliers à ce niveau-là aussi. Donc la même taille que l'autre ici. Alors ce pilier central, on va le monter tout jusqu'à coller au mur hein, quand même. Voilà. Et donc le pilier ici, ben, on va le faire monter de la même manière jusque là, ok, dans la même hauteur. Et celui-ci aussi pareil. L'idée c'est qu'on va venir prolonger le toit, hop, jusque sur le devant des piliers, ok. Et donc on en mettra, on mettra encore une partie du toit après, mais pour l'instant on va mettre ça comme ça. Hop, vous voyez, donc voilà, on prolonge le toit au-dessus de ces piliers là. Walou! Alors, une fois qu'on a ça, on va venir reprendre nos blocs de chaîne comme ça et on va venir faire des, hop, voilà, des poutres comme ça qui vont traverser complètement notre, notre mur. Donc, de la même façon, on en fait sur le mur ici. Hop, ok. Voilà, et à partir de 5 blocs de hauteur aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre, il a 5 blocs au-dessus, donc parfait. On est bon, on en met une autre poutre ici comme ça. Hop, voilà. Et donc comme ça on est bien, on fera le reste plus tard. On va juste faire une autre chose à ce niveau là aussi. On va venir prolonger le toit dans le vide au-dessus de cette partie là de la maison. Et donc on va venir prendre notre bloc ici et on va le rallonger de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs ici comme ça. En plus de celui-là, hein, donc ça fait 11 blocs en tout à partir de celui-là. Hop, voilà, donc pareil ici. Là, je vais aller un peu loin, voilà. On va venir mettre des piliers de soutien à ce niveau-là, donc on laisse un bloc ici dépasser dans les airs. La même chose ici. Hop, donc là, ce sont des charpentes, hein, clairement. On met une barre, hop, à ce niveau-là. Pareil ici, si je dis pas de conneries, peut-être je l'enlèverai, je sais plus. Je sais plus s'il y a une barre ici. Enfin bref. Du coup, ici, on va faire, on va prolonger notre mur. Hop, comme ça. Enfin, notre toit, pardon. Par-dessus les poutres ici, comme ça. On va s'arrêter à deux blocs avant notre barre, notre bord de charpente ici, comme ça, ok. Donc, les blocs en escalier de sapin, on va les arrêter deux blocs avant la fin. Hop, et on va faire ça sur toute la longueur du toit à ce niveau là voilà. Et donc après vérification, la barre qu'il y a ici là, vous voyez, elle n'est pas à ce niveau là il y a une poutre un peu plus bas à partir de 5 blocs de hauteur, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la barre, elle est ici, la poutre plutôt, voilà. Et donc ici là, il y aura une grande fenêtre et tout, c'est ce que je me disais. Alors, une fois qu'on a ça, on est plutôt bien. L'idée c'est que maintenant, à partir de maintenant, vous voyez, on va venir, ah oui non, il faut faire la partie ici aussi, hop, la partie de l'avant du bâtiment quand même. J'ai des coups de frise, hop, hop, voilà. Donc l'idée c'est qu'on va venir prolonger le toit ici tout jusqu'à, hop, jusqu'à un bloc par devant notre pilier à ce niveau là, ok. Et on va aussi changer le sol, on va venir prendre les planches de chêne et on va venir, voilà, mettre le sol tout jusqu'à devant. On va peut-être faire une petite... alors j'ai enlevé l'herbe vite fait, ok, comme ça on y voit quelque chose. Et maintenant on va venir mettre, hop, voilà, des un sol comme ça en bois, et après on va venir peut-être l'augmenter, je ne sais pas encore, vous voyez. Donc l'idée c'est qu'on va venir, on va enlever ça ici aussi pour y voir clair. Alors comment est-ce que je m'étais démerdé, moi je m'en veux plus. Donc alors on va faire, on va ouvrir toute la partie ici. Ok, et on va venir jusque là, voilà, tout simplement pour mettre un sol. Alors attends que je m'aligne avec l'autre côté, on part d'ici, voilà, et on fait un truc comme ça et on bouche complètement les trous qu'il y a au niveau de l'intérieur à ce niveau là. Voilà, comme ça le sol il est plus joli. Maintenant on va rajouter des escaliers en bois. En bois du coup de chêne pour avoir la même couleur que pour le sol. Et on va venir enlever toute une bande en fait de blocs qu'il y a à ce niveau là, vous voyez. Hop, comme ça sur toute la longueur. Et vous avez compris, on va rajouter des blocs d'escalier
de bois ici comme ça sur toute la longueur pour avoir un petit contraste des familles, voyez-vous. Hop. Alors ici, il faut pas oublier de prolonger le pilier qui est à ce niveau-là parce que ça fait un petit bloc de carré en dessous de terre. Donc l'idée, c'est que comme les piliers sont censés se prolonger dans le sol, eh bien on va rajouter des piliers ici. Ok, c'est déjà plus joli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter les piliers comme ça, les dalles en bois, machin, et on va les mettre jusque là. Alors pour l'instant, on va s'arrêter à là, mais on les prolongera plus tard. L'idée, c'est qu'évidemment, en dessous, là, vous avez de la terre. On va en mettre des blocs de bois à la place. Voilà, pour que ce soit plus joli, plus homogène, que ça fasse moins crado. Hop. Voilà, quand même. Alors du coup, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir prolonger le toit tout jusqu'à devant le pilier à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est qu'on va venir faire le mur quand même de la façade, parce que quand même, après tout... Pourquoi pas? On va reprendre les mêmes poutres à la même hauteur qu'on a fait de l'autre côté du mur là-bas, de l'autre côté du bâtiment. Sauf que celle-ci, on va respecter la courbure qu'il y a entre notre pilier ici qui a été avancé par rapport aux autres. Et donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur ici comme ça. Sauf qu'on va les décaler comme ça, les piliers, de sorte à ce qu'ils touchent. Pouf, hop, voilà, comme ça. Et donc, on enlève les blocs de coin ici, comme ça. L'idée, c'est que les blocs de planches, comme ça, alors c'est pas des blocs de planches, c'est le bloc de bois brut, on les met comme ça, alignés dans ce sens-là. Vous voyez, avec la face vers le côté. Hop, donc là, c'était bon. Et ici, comme ça. Et donc, vous voyez que ça donne une poutre, ça donne l'effet d'une poutre quand on regarde de loin. Et c'est vraiment plutôt pas mal, surtout qu'elle est tout en courbe, comme ça, tout en oblique. Et donc c'est pas mal. On va rajouter un deuxième truc comme ça, 5 blocs encore au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, on arrive pile au-dessus ici. Hop. Paf. Paf, ok. Ok, donc on enlève les blocs à ce niveau-là. Hop, hop, hop. Et on remet les blocs dans le bon sens. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, ça va être plutôt facile la suite, puisqu'on va utiliser les blocs de vitre comme ça, tout simplement, les blocs de vitre, et on va boucher tout l'espace qu'il y a entre les poutres et tout jusqu'au plafond, hein, donc ici comme ça, hop, avec des vitres sur le côté, hop, 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 ici comme ça pour coller à notre... bloc ici. Alors non, justement, et voilà, il y avait un dernier truc que j'avais oublié, c'est que au niveau, hop, ici là, sur cette ligne là, touche qu'au plafond, et la première ligne aussi de l'autre côté à ce niveau là, ok, ces deux colonnes là, ici et là bas, on va les faire en bloc de bois de chêne, comme ça, en planche de chêne, qu'on va faire monter touche qu'au plafond comme ça, de l'autre côté aussi. Et tout le reste de l'espace ici va être rempli par les vitres. Et une fois qu'on a ça, on va venir tailler le toit M-point, c'est-à-dire qu'on va venir ici là, tu vois. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs, on les touche pas, les 1, 2, 3, 4, enfin tous les autres on les vire sur la largeur. Et on va compter 1, 2, 3 blocs ici aussi et les... Hop, trois autres, ils dégagent. Voilà, comme ça, lorsqu'on est au sol, tu vois, ça nous fait une forme un peu de flèche lorsqu'on est en face de la façade et ça, ça fait encore plus de classe, en fait, tout simplement. On aime la classe. Donc, on fait ça. Voilà, 3, hop, 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 on vire ça, on fait des rangées de 3 et on fait tout ça par-dessus. Et donc, voilà, ça donne la classe de fou, je te montre au sol, paf, tu vois. Et là, tout de suite, la façade, elle en jette bien comme il faut. Alors, on va continuer en mettant des blocs d'escalier de... Comment que ça s'appelle d'escalier de chêne noire. Ainsi que des demi-blocs de chêne noire. Et on va les mettre par-dessus, en fait, le toit qu'on vient de mettre ici. Là. Vous voyez, tout le toit ici, eh bien, tout le contour du toit, on va le mettre en bloc de chêne noire. Et en bloc de dalles de chêne noire. C'est-à-dire que sur les façades, c'est-à-dire par exemple par devant ici, là, sur le devant ici ou sur le côté
sur le devant du côté ici, là, ok, on va mettre des escaliers en bois par-dessus. Ok. Donc comme ça, je le fais sur une façade et après, on le fera sur tous en même temps. Hein. Hop, paf, comme ça. Évidemment, on va aussi mettre les escaliers à l'envers. Hop. Si tant est que j'y arrive déjà parce que... Moi, il m'a manie de cliquer là où il faut pas. Hop. C'est Minecraft, ça te demande aucun skill. Ça te demande juste à savoir cliquer au bon endroit. Et encore, t'as de la marge. Et ça, je sais même pas le faire. Bref, alors du coup, une fois qu'on a ça... Eh bien c'est simple, on va le refaire sur toutes les façades ici, comme ça tu vois là-bas pareil et tout. Et on va aussi en plus de ça utiliser les dalles de chêne noir que l'on va mettre, que l'on va venir faire prolonger à partir de dessous ici, ok. Et ce tout sur le dessous des escaliers en sapin qu'on a mis précédemment. Ok, comme ça, donc ici en dalle par le dessous, donc pareil hein, ici on mettra le dessous en dalle pareil. Et les escaliers sur le devant de notre façade, ici pareil à chaque fois. Et on fait ça sur tous les côtés du bâtiment. Hop, et voilà du coup ce que ça donne avec tous les contours. C'est plus joli, ça donne plus de swag. Tiens, c'est un mot que j'ai pas utilisé depuis longtemps, ça, le swag. Enfin bref, du coup, voici ce que ça donne. Et maintenant, ce qu'on va utiliser, ce sont toujours les dalles de chêne noir. Et on va les mettre au niveau de notre bas de maison ici, comme ça. Sur un bloc et demi, vous voyez, de hauteur, on va mettre une ligne comme ça, de dalles, comme ça, sur tout le bas des murs. C'est voilà, histoire de souligner le contraste pour avoir au niveau du bas des murs, ici comme ça, 1, 2, 3, hop. Hop, ici comme ça, sur toute la longueur, etc., etc. Et on va faire ça sur 2, 3 blocs, sur toute la longueur du bâtiment, ici comme ça. Ouais, voilà ce que ça donne. Alors tout de suite, tu vois que ça commence à prendre de la tronche hein, petit à petit notre maison ici, là, tu vois. Donc voilà, on prend sa place, voilà, toute la ligne au niveau du sol comme ça. On la met pas au niveau de l'arrière comme ça, quand même, ok. Et on enlèvera certaines parties pour laisser la place à des ouvertures qu'on fera ici aussi, par exemple. Ici aussi, du coup, on ne met pas de barrière en bois. Comme ça, entre les deux poteaux ici, on les prolonge plutôt sur le côté pour enrouler les piliers à ce niveau-là. Ok, on laisse deux blocs par derrière ici, comme ça. Et ça nous fait une petite cour intérieure à ce niveau-là. Alors, c'est une cour qui est couverte, comme tu peux le voir, mais qui est ouverte quand même. Donc c'est cool. Voilà, donc l'idée maintenant c'est qu'on va venir au niveau de nos façades ici, là, les façades secondaires, comme je les appelle, et on va utiliser les blocs de chêne. Pour pouvoir mettre on va mettre une poutre à 5 blocs de hauteur. Donc là on est à 2, 3, 4, 5 blocs et on va venir mettre une poutre qui va venir par devant, oui carrément, par devant notre façade ici comme ça, tu vois. Ok, par dessus cette poutre là du coup on va venir mettre une voilà, un truc comme ça ici. Voilà, une poutre qui vient à la verticale, comme il y a dans les maisons traditionnelles, on va dire, voilà. Alors, par-dessus cette façade-là, ça va être un peu particulier, vu qu'on va rajouter, hop, 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur de poutre ici, comme ça, pour pouvoir avoir une entrée. On va faire une entrée comme ça, tu vois. Hop, ok. Et on va venir mettre des escaliers, hop, comme on a fait pour le toit ici, on va faire venir un petit toit en quelque sorte. Pouf, 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 et alors pouf, ok. Et on va venir mettre du coup une autre, hop, des escaliers en plus par-dessus, pour le contraste, hein, toujours, toujours. Hop, ici comme ça, on n'oublie pas de mettre des escaliers ici et ici, et ça nous fait une petite entrée, tu vois, tout à fait mignonne. Alors il y a juste cette partie là que j'ai oublié, on doit la faire en dalle de chêne noir évidemment. Hop, paf paf, avec des escaliers à l'envers, ça rendra quand même mieux. Voilà. N'est-ce pas merveilleux? Et donc l'idée c'est que ça, on va le faire sur chaque
chaque façade, mais avant on va quand même enlever la partie du bois ici, vous voyez. Donc au niveau de l'intérieur de notre maison, notre sol au niveau du premier étage va être à ce niveau là, donc juste au dessus de la porte, à 5 blocs de hauteur aussi, hein. Donc là ça va être le sol, faut imaginer. Hop, donc là j'en fais un petit. On enlève du coup toute la partie qui est ici. Hop, en bois, et on va venir mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai des escaliers en bois de sapin. On va venir mettre des escaliers comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Pouf, pouf, qui viennent coller en diagonale sur la paroi en fait de notre toit, pour faire penser à une charpente. Encore une fois, c'est pour faire penser aux poutres qui sont un peu obliques dans les charpentes, tout simplement. Et donc on va faire ça comme ça, ok. L'idée c'est que maintenant entre ces poutres là on veut mettre des vitres. Le problème c'est que si on mettait des vitres directement ici comme ça, tu vois, bah les vitres ne se collent pas aux escaliers. Et donc l'idée c'est de tout simplement mettre des vitres par derrière ici, de mettre un grand mur de vitres, hop, hop, tout par derrière ici, tout jusqu'à coller au plafond, hop, comme ça, et vous voyez que ça donne un côté moderne en fait à notre structure. Je vais vous montrer ça de l'extérieur, et vous voyez, ça donne un côté très très sympa. Alors l'idée c'est qu'on va pas faire ça à chaque fois, on va pas mettre un mur en verre à chaque fois, on va pouvoir laisser un mur en bois aussi, mais ça peut être vachement intéressant. Et donc l'idée c'est qu'on va reprendre cette structure là et on va le faire au niveau de chaque façade. C'est-à-dire qu'on va le refaire ici, là, vous voyez, ici aussi, plus voilà, ici, et au niveau de toutes les de tous ces endroits là. Et maintenant du coup, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir faire les trous dans les murs pour pouvoir laisser les fenêtres et les portes, voilà, pour pouvoir voir les portes et les fenêtres. Donc on va commencer par notre façade, ici il n'y a rien à faire, mais sur le côté ici à ce niveau là on va laisser 1, 2, 3 blocs d'espace, et on va ouvrir sur 1, 2, 3 blocs de côté. Et sur 2 blocs de hauteur à ce niveau là. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir ici, on laisse 2 blocs et on ouvre sur 3 blocs ici comme ça. On va même ouvrir sur 3 blocs de hauteur à ce niveau là. Ok, donc on laisse 1, 2, 3 blocs ici et on réouvre sur 3 blocs ici comme ça. Très bien, on va revenir ici, on compte 2, 3, 4, 5, 6. Et les 1, 2, 3, 4, 5 blocs qui suivent, on leur pète la gueule. Alors du coup ici on ouvre complètement, voilà, on va laisser 3 blocs de vitres en dessous et on mettra les portes après. Je mettrai tout ça après, les portes, les vitres et tout ça. Donc ici pareil que de l'autre côté, c'est à dire qu'on va compter 2, 3, 4, 5 blocs ici, on va ouvrir sur 5 blocs comme en face, hein. Paf paf, voilà. Alors du coup ici il n'y a rien, et ici on va déjà ouvrir notre cour à ce niveau là, c'est à dire qu'on va venir faire une ouverture comme ça sur 4 blocs, ok, hop, voilà, et on va venir ouvrir ici, tu vois, hop, tout l'intérieur à ce niveau là on va le mettre en bois. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir en plein milieu ici, vous voyez, donc on a une ouverture à ce niveau là. On va prendre le milieu et on va ouvrir sur 4 blocs de large, sur 3 blocs de haut. Là c'est marrant, on voit tout l'intérieur, tu vois à quel point c'est grand, on dirait une cathédrale. Alors on va continuer ici, si je ne m'abuse, et on va faire hop 3 blocs d'ouverture comme ça ici. Ici on va même carrément faire une porte, donc du coup on ouvre ici sur 5 blocs de large, on fait un trou de 3 blocs, ok. Hop, on met les vitres ici, enfin le machin ici. Ok, donc sur le côté à ce niveau là, ici il n'y a rien du tout. Alors à ce niveau là, ici, on va laisser 2 blocs sur le côté et tous les 3 blocs après ça, on va faire une ouverture. Donc c'est à dire qu'on laisse 2 blocs ici sur le côté, les 3 blocs d'après on fait une grosse ouverture, on laisse 3 blocs d'écart, on refait une grosse ouverture. Et puis voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va laisser 1, 2, 3 blocs ici, on va ouvrir sur 3 blocs. On va compter 1, 2, 3, on ouvre sur 3 blocs et on laisse les 4 blocs du fond. Hop. Ok. Donc ici c'est déjà fait. Alors oui, ici j'ai mis les vitres, hein, comme ça d'avance.
Ok, donc ici, bah pareil que l'autre côté, hein, c'est-à-dire que l'autre côté, on avait laissé combien de ce côté-là? 4, ok. Et donc, on va laisser 4 ici aussi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, ici, à ce niveau-là, on va mettre une grosse fenêtre en plein milieu de 4 blocs de large. Voilà. Ici, du coup, en fait, on va enlever la charpente à ce niveau-là et on va même mettre carrément une cheminée. Voilà. Une cheminée qui va donc laisser 2 blocs de blocs ici. Et on va ouvrir ici pour avoir une ouverture, comment, une ouverture de 2 blocs en plus de la du mur sur 2, 3, 4 blocs de large au total. Donc ici on enlève, hop, voilà, donc on va faire une partie à l'intérieur évidemment, hop, on pète tout ici. Hop, donc là ça va être une deuxième cheminée. Il va y avoir deux cheminées dans la maison parce que c'est luxe. Et ici du coup ça sera la cheminée qui sera pour une chambre. Parce que d'avoir une cheminée dans sa chambre, non seulement c'est classe, mais en plus je finirai pas ma phrase. Mais alors on va faire une ouverture comme ça ici quand même. Je vais finir la cheminée comme ça tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. À la limite, voilà, on fait une ouverture ici pour pouvoir mettre les choses dans la cheminée. Vous voyez, hop, ici comme ça, on la fait rapido. Hop, ici comme ça, on ouvre ici aussi, tant qu'à faire. Walou! Et une fois qu'on a ça l'idée au niveau de l'intérieur, je vais quand même rajouter des torches pour qu'on y voit quelque chose. Parce que même pour moi, hop, voilà, donc là au moins on y voit quelque chose. L'idée c'est qu'on va rajouter des blocs comme ça par-dessus les marches de cheminée et on va venir rajouter, hop, des escaliers en pierre du coup par-dessus tout ça. Si tant est que je les trouve, voilà, ici, et on va les rajouter, paf, comme ça, sur la paroi de notre cheminée. Et ça nous fait une paroi de cheminée ultra classe, comme tu peux le voir au niveau de l'intérieur de la maison. Voilà. Alors, on va ressortir quand même. Et on va continuer nos ouvertures dans la porte. Alors, du coup, on va reprendre notre bloc ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va compter 2 ici, sauf que là, on va tout péter. Parce que ça va être une porte, carrément. Alors, on va laisser 1, 2, 3 blocs et on va ouvrir sur 3 blocs aussi de large pour faire une fenêtre ce coup-ci. Alors, ici sur le côté, il n'y a rien du tout. Ici, il va y avoir en plein milieu une ouverture. Donc, on met un trou comme ça en plein milieu. Voilà. Voilà, voilà. Ici, du coup, il n'y a rien du tout. Et ici, on va faire 2 ouvertures. Comme ça, voilà, qui vont être 2 portes en fait, qui vont venir juste en dessous de la poudre ici, comme ça, tu vois. Hop, alors de ce côté-là, on va venir faire une ouverture ici aussi. L'ouverture, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs à ce niveau-là, et après on va enlever 3 blocs, ok. Sur la hauteur ici, comme ça, on enlève les blocs de chaque côté, c'est un peu mieux. On change le sol aussi. C'est pas mal. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir sur le côté ici, tu vois, de la maison, et on va enlever directement les blocs qui collent à ce niveau-là, jusqu'à 2 blocs de large. On va laisser 2 blocs ici, et on va ouvrir sur 3 blocs. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Ok. Ici, du coup, on va faire des grandes fenêtres que l'on va ouvrir sur 3 blocs de hauteur, et on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs ici. On va ouvrir sur 3 blocs après. Puis après, 1, 2, 3 blocs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop, et on enlève les blocs ici comme ça. Ok, donc ici on compte 1, 2, 3, 4 blocs. Et on vient ouvrir sur 1, 2, 3 blocs pour être aligné avec ceux d'en face, vous voyez. Donc là, on est plutôt bien. Ok, donc là, ce sont les ouvertures pour le premier étage.
Et pour le deuxième étage du coup, on va faire la même chose là où il y a la place, tout simplement. C'est-à-dire que ici, vous voyez, au-dessus, il y a la place. Donc, on va mettre à partir de... Hop, on va laisser deux blocs, en fait. Et à partir de là, on va pouvoir ouvrir ici. Vous voyez, tout simplement. Donc, pareil, hein, on laisse... Hop, alors, attends. Là, le plancher va être à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Donc, pile à ce niveau-là. Donc on va laisser deux blocs au-dessus et on va ouvrir à ce niveau-là, ok, là où il y a la place, ok, tout simplement, donc pile au-dessus des fenêtres qu'on avait laissées en dessous. Donc ici on peut le faire, ici il n'y a pas de place, donc on le fait ici, hop, voilà, voilà, on le fait sur trois blocs de hauteur quand même, ouais. Et ici on ouvre aussi parce que après tout c'est le luxe. Voilà, donc ici on peut pas. Hop, ici on peut pas, ici on peut pas. Ici on peut du coup. Donc on va laisser 1, 2 blocs et on va ouvrir sur 3. Voilà. Ici pareil. Hop. Voilà. Etc. etc. Juste, petite précision du coup, en fait je me suis trompé sur la partie du bâtiment central à ce niveau-là. Ok, on va juste faire des fenêtres de deux blocs de hauteur, tout simplement. C'est-à-dire de ce côté-là et de l'autre côté ici, on va faire juste deux blocs de hauteur par fenêtre, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout, la seule précision. Alors, une fois arrivé ici, hein, vous vous rappelez, c'est dessous notre préau à ce niveau-là. On va faire une énorme fenêtre qui va venir prendre la même largeur que celle d'en dessous, c'est-à-dire 4 blocs de large. On va venir au-dessus de notre poutre, on va laisser un bloc de large ici et on va venir faire un trou après de 4 blocs de large sur aller presque jusqu'au plafond. Hop, comme ça, voilà, on laisse 3 blocs par rapport au toit et puis on est content. Voilà. Une fois qu'on a fait les trous pour les fenêtres, du coup, comme ça, on va déjà mettre les vitres, hein, dans les trous. Voilà, donc comme ça, ça sera fait, hein, les vitres ici, comme ça. Hop, et on mettra les portes aussi là où il y en a besoin, c'est-à-dire à ce niveau-là, par exemple. À chaque fois que là, où on a fait un trou pour aller jusqu'au sol, hein, à chaque fois qu'il y a un trou qui va jusqu'au sol, on va mettre des portes. Vous voyez, ici, comme ça. Hop, voilà. Alors, si tant est que j'arrive à cliquer où il faut aussi, ce serait pas mal. Voilà, ce genre de choses. Ici, les portes. Vous voyez, il y a pas mal d'entrées et sorties dans la maison, quand même. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, mais ici, là, ce ne sera, sera pas une fenêtre, en fait. Ce sera une porte. Une porte. Voilà. Voilà. Hein, c'est un peu mieux. Du coup, on va... enlever un morceau aussi en hauteur parce que sinon ça serait un peu bizarre. Et on va rajouter des portes ici aussi. Même si on a 4 d'affilée, moi ça me dérange pas honnêtement. Et ici aussi tant qu'à faire. Voilà, moi j'aime bien du coup mettre une grande quantité de portes comme ça les unes à côté des autres. Ça fait stylé je trouve. Ici du coup au niveau de notre ouverture, pareil on va faire la place des vitres à ce niveau là. Hop, si tant est que j'arrive à les choper. Voilà, on va mettre des portes ici aussi à la place, ok. Donc paf, on va essayer de le, se démerder pour les pouvoir les placer. Hop, hop. Alors paf, paf. Voilà, donc on a je sais pas combien de portes de chaque côté. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et donc vous voyez c'est swaggy, et donc tout le reste des trous qu'on vient de faire, on va mettre des vitres dedans. Et donc une fois qu'on a nos fenêtres comme ça, on va pouvoir rajouter des agréments, des ornementations. Le style s'il vous plaît. Alors on va prendre les escaliers en bois de chêne noir et on va venir les caser au-dessus de nos vitres ici. En gros l'idée c'est que je vais vous faire un pan de vitre, ce que je vais appeler un pan de vitre, vous allez comprendre. Et après on va refaire ce pattern là sur tout le reste de la maison. Ok, donc ici, on va venir péter le dessus de la fenêtre. On va venir mettre, par exemple, des escaliers comme ça et comme ça. Hop, pouf et pouf. Est-ce qu'on est au milieu? Là, oui, on est au milieu. Et donc, on va rajouter des escaliers, des dalles de chêne comme ça en dessous.
Hop, hop. Vous voyez, paf. Paf. Alors, ouais. Ici, comme ça. Alors, en fait, voilà, ça y est, je me rappelle maintenant, il y a un problème. Je sais pourquoi. On va enlever cette partie-là. Et l'idée, c'est qu'on va d'abord, avant de commencer notre vitre ici, rajouter une partie au toit, parce que c'est ça que j'avais oublié. En gros, j'ai commencé à ajouter des dalles directement en dessous de cette partie-là du toit, alors que c'est ce qu'il fallait faire sur tout le reste du toit, sauf sur cette partie-là. Ok, cette partie-là ici, hop. Donc on va enlever les dalles qu'on avait mises et on va rajouter une couche avec les escaliers en bois. Alors, non, même plutôt, on va rajouter une autre ligne d'escalier en bois de sapin, comme ça, sur toute la longueur. Hop, ici comme ça, et on va jusque là-bas, jusqu'ici comme ça. On rajoute du coup des escaliers en dalles, enfin en chaîne sombre en dessous, et on va rajouter les dalles en plus, ok. Donc voilà, pour être vraiment sûr d'avoir quelque chose d'intéressant, hop, voilà. Et donc, par-dessus ça, voilà, c'était là où j'avais commencé à creuser par-dessus la vitre à ce niveau-là. Et donc, par-dessus cette histoire-là, on va rajouter, hop, des escaliers comme ça, qui vont venir, hop, rajouter des choses. Alors, j'arrive pas à cliquer où il faut. Voilà. Ok, on va rajouter des choses comme ça et on va venir mettre, voilà, des dalles en plus. Hop, et hop. Hop, et hop. Ici, comme ça, pour avoir des formes comme ça, vous voyez. Le reste, du coup, ici, on va le rajouter en bloc de d'escalier comme on faisait d'habitude. Allez. Hop, voilà. Ok, et l'idée c'est qu'on va faire ça sur chaque morceau de toit, hein, tout simplement. Et qu'on va faire aussi un peu la même chose au niveau des blocs du dessous, c'est-à-dire au niveau des fenêtres du dessous, comme ça on va rajouter des petits toits comme ça, vous voyez, tout simplement. Hop, voilà. Hop. Hop, quelque chose comme ça. Et donc ça, on va le faire au niveau de chaque fenêtre comme ça. Ça, au niveau du bas, on le fera sur toutes les fenêtres du bas, là où c'est possible. Et on va encore faire une autre fenêtre incrustée dans le toit directement. Alors du coup, il faut que je retourne à l'intérieur du bâtiment pour savoir où est-ce que je vais mettre le deuxième étage. Hop, donc si le premier étage, il est à ce niveau-là, le deuxième étage, il est encore à 5 blocs au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Juste en dessous le toit, on va mettre notre deuxième étage ici. Ok, donc on va rajouter la fenêtre à ce niveau là donc on va être aligné avec l'autre en dessous quand même, un minimum. Donc on va tout péter à ce niveau là ok, donc ici on va faire une ouverture comme ça. Ok, très bien. On va venir rajouter des blocs de chêne noir autour du truc pour avoir un... Ah, comment on appelle ça? Un encadrage, tout simplement. Un encadrement de la fenêtre. Pouf, pouf, comme ça. Ok, et on va venir rajouter des escaliers, évidemment, pour coller au truc. Hop. Voilà. Ok. Ici comme ça, ici comme ça. Et on va rajouter aussi du coup de la vitre à l'intérieur, évidemment, de notre fenêtre. Paf. Parce que sinon, on a des courants d'air. Il fait froid, on chope la chiasse, on en fout partout. Voilà, je te passe les détails. Hop. Voilà, j'en mets ici en dessous aussi. Hop, hop, voilou. Magnifique. Et donc l'idée c'est qu'on va refaire cet enchaînement là de trois fenêtres les unes par-dessus les autres avec les mêmes ornementations partout là où c'est possible, c'est-à-dire ici là sur le côté, ici pareil sur le côté, là pareil ici sur le côté, youp, donc ici, ici, tiens j'ai oublié les fenêtres, ici aussi tu vois, alors ici par contre, je ferai ça tout à l'heure mais... pas ici, mais voilà, ici là, ici là, ici, ici...
Donc tu vois, partout là où c'est possible, ici, là-bas, au fond, ici, là-bas, sur les côtés, etc., etc. Et donc, on va faire ces ouvertures comme ça dans tous les endroits là où c'est possible. Et voilà ce que ça donne du coup. Alors, je te fais un petit tour, hein, vraiment pour montrer, mais voilà. C'est comme on avait dit, voilà, les trois fenêtres qui se chevauchent les unes les autres. Sur le côté et partout là où on peut mettre trois fenêtres les unes au-dessus des autres. Voilà, donc on va faire les autres fenêtres maintenant. On va venir sur cette partie-là du toit, vous voyez, et on va venir prolonger une fenêtre qui va prendre la même largeur que celle-ci, ok? Donc 5 blocs de large, et on va venir la faire pile au niveau du toit ici, comme ça. Et on va la faire descendre de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, donc 6 blocs, voilà, sur les côtés. Donc... voilà, jusque là normalement, et on va la faire, voilà, 2-5 blocs de large en tout. Et on enlève toute cette partie là du toit pour avoir une fenêtre qui va être vraiment sur le haut du toit en fait. C'est ça un peu la particularité, c'est ça qui rend un petit peu moderne aussi le truc, voyez-vous. Hop, on enlève tout ça. Et on vient rajouter des vitres, des blocs hein, de vitres, pas des vitres toutes fines là. Non, vraiment des blocs. Hop, etc, etc. Et voilà un peu ce que ça donne du coup, hein. Regardez, ça fait vraiment moderne pour le coup, hein, ce genre de vitre là. Et on va du coup voilà, faire les autres fenêtres, mais ça commence à prendre forme hein, déjà. Une fois qu'on aura fait le toit, vraiment là, ça va prendre toute son amplitude. Alors sur cette fenêtre là, qu'on avait fait tout à l'heure, bah vous voyez, je l'ai vitré, on met une ligne de dalle en dessous, des barrières sur les côtés, et un espèce de mini toit en dessus. Et puis ça donne quelque chose de vraiment, vraiment stylé, moi je trouve. J'aime bien, ça impose un maximum. Voilà, je trouve ça sympa. Ici c'est bon et tout, donc voilà un peu ce que ça donne de ce côté-là. Voilà. Ok, donc du coup de l'autre côté ici, vous voyez comme ça. Alors ici j'ai pas fait de bloc de fenêtre dans le toit parce qu'on va le faire maintenant. L'idée c'est qu'on va reprendre. Nous, on va refaire le symétrique par rapport à ici en fait. On va reprendre nos trois ouvertures comme ça qu'on avait fait dans le toit à ce niveau là. Et on va faire exactement le symétrique de ça de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a ça, l'idée maintenant c'est que on va venir sur cette partie là de la maison. Et on va venir faire une espèce de petit chapiteau au dessus de notre porte à ce niveau là. Vous voyez donc ici là, pouf. Alors si je pète le mur ça va pas le faire. Mais voilà, on va venir faire un petit chapiteau, pouf, ici, comme ça, hop. D'ailleurs, on va pas faire de blocs qui repartent du truc, mais... comment je vais me démerder? Ici, comme ça, ici, et ici, est-ce qu'on est au-dessus? Oui, c'est bon. Donc, pouf, 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 pouf. D'ailleurs, on va pas le faire comme ça. On va le faire avec des escaliers... de couleurs de chêne sombre, de chêne noir, ici comme ça, hop, vous voyez, pour avoir plus de, pour que ce soit plus mieux, voilà, moi qui cause bien la France, hop, et du coup ici comme ça, voilà, voilà, donc on va faire ça comme ça. Et l'idée du coup c'est qu'on va venir faire aussi des ouvertures dans le toit directement, faire des fenêtres dans le toit. Donc on va en faire une ici là par exemple, l'idée c'est qu'on va faire voilà, donc une fenêtre ici comme ça, on va la faire à partir de, ouais, de ici, hop, sur 3 blocs de hauteur, hop. Donc voilà, on pose des escaliers comme ça sur le toit pour dégager une forme en triangle, pour dégager la forme d'une fenêtre en fait, tout simplement. On va venir rajouter des escaliers en boîte de chêne noir du coup sur le côté pour faire un contraste comme d'habitude. Et puis ben, on ouvre hein, tout simplement à l'intérieur. On va rajouter des blocs de bois ici comme ça pour faire un mur quand même qui se voit de l'extérieur, vous voyez, à ce niveau là. Et on va rajouter une vitre dedans. Pouf, pouf, pouf et pouf. Voilà. Hop, hop, hop et hop.
Et vous voyez que ça donne des petites fenêtres comme ça dans le toit qui sont plutôt sympathiques, ça donne encore plus de relief. Faut bien prendre garde à ce que les escaliers du haut ici comme ça se joignent bien au reste du toit comme ça, et n'ait pas de bug de connexion avec le reste du toit. Ok, donc on a quasiment fini le toit, il nous reste vraiment que le dessus du toit, c'est-à-dire toute une partie que l'on va, certaines parties en fait du toit qu'on va surélever, et ça qui va donner vraiment un côté sympa. Par exemple, ici, on va dire à partir de l'intérieur de notre toit, ça va être plus simple. Donc de ici là, par exemple, jusque là, eh bien j'ai envie de surélever le toit de un bloc en entier, c'est à dire qu'on va laisser voilà deux blocs sur le côté ici, deux blocs sur le côté ici, et tout le bloc ici, donc ça va faire 2, 3, 4, 5, 6 blocs du milieu du toit à ce niveau là, on va l'enlever complètement et on va comme si on allait le monter d'un bloc en fait, c'est ça un peu l'idée. Alors est-ce que je suis à hauteur? Oui, je suis à hauteur. Donc voilà, l'idée c'est qu'une fois qu'on a fait un trou comme ça, on va remonter tout un toit en entier de un bloc, c'est-à-dire qu'on va prendre les barrières de chaîne et on va venir les mettre ici comme ça, vous voyez. Hop, paf, voilà, paf, paf. Ok, on met des barrières comme ça, très bien. On va réutiliser du coup maintenant les escaliers en bois de chêne sombre et on va venir faire un contour, comme d'habitude, hein. Hop, comme ça, en escalier et pas en esquic. T'as compris la blague, la vanne, je sais plus parler. Hop. Ouais, ouais, c'est du haut vol, hein. On fait pas d'une esquic, on fait d'une escalier. Voilà. Aïe, j'ai la blagounette dans le sang, moi, tu le sens. Hein. Bref, t'as compris, tu le sens. Oh là 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 là, bon, combo blague. Va falloir que j'arrête un petit peu mes conneries. Donc, il va falloir que je continue à builder. Voilà, l'idée, c'est que je fais le contour, en fait, en escalier de mon truc, ici. Voilà, tout simplement. Je fais le contour en escalier de bois. Et une fois qu'on a ça, en fait, tout l'intérieur, on va le mettre avec des blocs de bois de sapin classique. Et hop, voilà ce que ça donne. Alors juste on va rallonger les barrières qu'on a fait au niveau du dessous ici. Celui-là je l'ai pas enlevé. Hop, vous voyez, les barrières ici on va les rallonger pour avoir un support un minimum cohérent, voyez-vous. Hop, on va reprendre les escaliers en bois de sapin de chêne sombre et on va les foutre en dessous des machins ici. Hop, 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 hop. Et vous voyez ce que ça donne, vu de loin, ça donne vraiment une partie du toit qui est surélevée par rapport au reste, et ça donne du relief dans le toit. On va rajouter d'autres choses aussi, au niveau du milieu de notre toit à ce niveau-là, vous voyez, eh bien on va le péter et on va l'aplatir. Voilà, on va enlever, voilà, donc 8 blocs de large hein, par exemple. Rajouter des blocs ici comme ça et on va mettre tout un parterre en vitre. Vous voyez, on va prendre des blocs de verre et on va complètement le vitrer pour avoir un puits de lumière en plein milieu du bâtiment. Voilà, c'est pour faire hein, comme j'avais montré dans l'ancienne vidéo. Dans l'autre vidéo, l'idée ça sera de faire pousser un arbre en dessous. Donc un arbre à l'intérieur de la maison, ce qui est hyper stylé, on va pas se mentir. Et donc on va rajouter un dernier truc, normalement c'est le dernier. La même chose que ici, tu vois, mais au-dessus de notre truc à ce niveau-là. Ouais, je suis très très précis quand je parle, c'est un truc de fou. Alors l'idée c'est qu'on va revenir à l'intérieur de la maison quand même. Et on va, hop, ouvrir à partir de... deux blocs derrière notre pilier ici, tu vois, donc aller sur 1, 2, 3, 4, ouais, 4 blocs de large, 1, 2, 3, 4, ok, et sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs de long, ok, donc toute cette partie là, jusque là, ok, on va la surélever, donc toute cette partie là, ok, hein. On va la surélever et on va faire la même chose au niveau du toit que ce qu'on avait fait là-bas, tu vois. On va tout surélever, on contourne en bloc de bois d'escalier de chêne sombre et on rajoute du toit à l'intérieur, comme d'habitude. Voilà.
Et voilà le travail. Alors, on va rajouter quand même des choses dans cette maison-là, puisque c'est pas fini quand même, hein, comme tu t'en doutes, même si c'est vrai qu'on a pas mal ajouté, avancé. On va rajouter un escalier, comme ça, une cheminée, voilà, rien à voir. On va rajouter une cheminée quand même en plein milieu de notre immense salle principale, comme tu le vois, il y a vraiment de quoi faire des choses ici. L'idée, c'est qu'on va venir dans le prolongement de notre poutre à ce niveau-là, on va se mettre à peu près au milieu. Voilà, et on va venir faire une cheminée assez balèze, hein. On va faire une cheminée voilà, de allez, 5 sur 4 hein, de large, donc c'est quand même assez balèze, et on va faire venir du coup, hop, on va la faire monter sur jusque dans le toit, on va la faire dépasser, et on va la réduire en largeur au fur et à mesure qu'elle va monter quand même, hein. Hop. Donc là, par exemple, on fait une ouverture de deux blocs de hauteur. Hop. Ok, donc là, on va pouvoir mettre après les bûches et tout. Hop. Comme ça va être la cheminée qu'il va y avoir au bout de la table de banquet. Et ça, c'est vrai que c'est stylé. Moi, j'aime bien avoir une table de banquet avec une cheminée en arrière-cour. Ça fait toujours son petit effet. Hop. Puis on monte ça un petit peu. Puis après on rétrécit la largeur de la cheminée aussi. Je pense que je vais pas la faire aussi large que ça. Hop. Et puis donc voilà, on l'a fait monter. Et je pense que ça, on va pouvoir la faire dépasser du toit. Hop. Ok, donc il va aller juste à côté de notre truc ici. Hop. Et on le fait dépasser de toit, du toit, mais pas beaucoup, hein, juste de un bloc et demi maximum qu'on l'a fait dépasser. Hop, voilà. Ok. Voilà un peu l'idée. Est-ce que ça, c'est pas joli? Est-ce que ça rajoute pas des choses? Si, honnêtement, hein, ça passe bien. Alors on va rajouter encore des choses parce que évidemment c'est pas du tout fini. Je vais finir la cheminée quand même un minimum, ce serait sympa. On va prendre des escaliers du coup de machin comme ça, de pierre. On va rajouter des blocs ici quand même. Et on va rajouter des escaliers. Hop, ici comme ça. Comme ça. Et ok. Et tu vois, d'un seul coup, la cheminée, elle en impose grave quand même. Hein. Ah, ça a du style, hein, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va rajouter des arbres autour de la maison, parce que ça donne vraiment, vraiment de la vie, les arbres. On va rajouter aussi une pergola, de la petite de désagrément, en fait, voilà. On va rajouter une pergola tout de suite. Donc, l'idée, c'est qu'on va rajouter une pergola à ce niveau-là, tu vois. Donc, là où il y a toute une terrasse de libre, eh bien, on va rajouter des choses. On va mettre des barrières de bois ici, comme ça, donc sur les 4 blocs de hauteur. Avec des espaces de 4 blocs chaque. Voilà, 1, 2, 3, 4. Paf. Et une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir mettre des dalles de bois au-dessus de ces machins ici, comme ça. Et de faire construire une pergola en dalles. Et donc, du coup, il va falloir tout péter ce côté-là de la maison. Je me rappelle avoir devoir faire ça aussi sur mon modèle, tiens. Hop, paf, paf. Donc ça, on enlève les ornementations à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, ici aussi. Hop, voilà. Et donc, on a tout l'espace libre pour pouvoir mettre des pergolas. Alors, l'idée, c'est que on va faire tenir des poutres, du coup, au-dessus des piliers ici. Et on va faire tenir des poutres entre le mur et au-dessus de cette poutre-là. C'est-à-dire ici, comme ça, paf, paf. Voilà. Hop, on va utiliser les dalles pour faire croire que, tu vois, c'est une poutre qui est tenue entre le mur et au-dessus de cette poutre-là. Voilà. Et donc, on va les mettre, allez, on va dire tous les, je sais pas, attends, ça va faire 2. Tous les deux blocs, ça devrait passer bien. Parce que si on les met tous, ouais, parce que là, j'ai mis des blocs de verre pour faire des repères, parce que je ne me rappelais plus combien il faut faire. Tous les 1 ou 2 blocs, ça passe hein, dans les deux cas.
Donc on va faire tous les deux blocs pour pas mettre trop de poutres quand même. Donc on va rajouter tous les deux blocs comme ça, tu vois, une poutre qui va venir sur la transversale. Paf, 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 paf. Hop, ici tu vois. Voilà, ça c'est un peu l'idée. On va rajouter quand même une poutre de soutien au niveau de par là, genre ici ou là, voilà. Ah bah mince, mais je l'ai fait. Évidemment, la poutre de soutien, faut qu'elle soutienne quelque chose. Donc on l'a fait jusque là et on met une barrière ici pour faire tenir notre structure. Ok, donc notre pergola, elle est pas loin d'être finie. Maintenant, il nous faut mettre les, comment on appelle ça, les feuilles. Par-dessus, on va rajouter plein de feuilles, tu sais, comme les pergolas à l'italienne, super sympa. J'adore les pergolas, moi, honnêtement. Hop, dans la vraie vie ou dans Minecraft et tout, ça marche super bien. Autant la maison, j'en aurais pas forcément voulu d'une comme ça en vrai, parce que c'est super cher à entretenir et tout. Et puis, même quoi, voilà, c'est un peu. Mais autant les pergolas, j'avoue, je suis fan. Hop, mais le style architectural italien me plaît bien de toute façon. Ils sont pas mauvais les Gugus, on va pas se mentir. Ils font des pâtes aussi d'ailleurs, mais bon, ça n'a rien à voir. Bref, on rajoute plein de feuilles, ça fait une pergola sympatoche, ça met de la couleur, de la verdure, on aime tout ça. On va rajouter un petit salon en dessous quand même, un minimum. Genre un salon avec des dalles et avec de la neige et avec j'ai foutu mes dalles, je les ai virées, donc ok. Hop, on va faire un salon un peu style comme ça, toi, avec de la neige. Donc là, ça fait des couches de neige différentes pour faire un accoudoir, un dossier ici, tu vois, là, de quoi s'allonger. Et puis ça donne, hop, une petite, comment on appelle ça? Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, du coup, je vais faire une table qui va être stylée, tu vois. Donc je mets des blocs de dalles et de neige, et par dessus je vais rajouter des tapis, tu vois, des tapis en blanc pour faire swag. Et donc comme ce sont des demi-blocs, et bien du coup les tapis volent dans les airs et on a l'impression d'avoir une table avec du relief dedans, d'une table customisée, vous voyez. C'est la classe. Oui, je sais, j'ai toujours la classe. Alors on va rajouter des arbres, disais-je, et on va même rajouter un arbre hyper stylé à l'intérieur même de notre four à pain, pas du tout, de notre terrasse, voilà. Comment est-ce que j'ai pu confondre une terrasse avec un four à pain, ça c'est une... Vaut mieux pas savoir. Bref, on va prendre l'alignement avec nos trucs en bois ici, tu vois, dans la ligne, et on va s'aligner avec là, tu vois. Donc ici comme ça, et on va faire une ouverture comme ça de 4 blocs sur 4. Hop, à l'intérieur même de notre terrasse ici. J'ai pas dit four à pain, je suis en voie d'amélioration. Alors, on va prendre les blocs d'herbe quand même et on va venir tapisser. Hop, en deux mots, hein. Non, en un mot, pardon. Tout le fond de notre truc ici, comme ça. Très bien, voilà, magnifique. Et on va venir rajouter sur le bord des bords comme ça en dalles de bois sombre. J'arriverai jamais à dire chêne noir, hein. Une catastrophe. Bref, voilà. Donc du coup, on a une... On peut rajouter un bloc de hauteur quand même, parce que ça fait plus mieux. De hauteur de notre... Comment on appelle ça? Un trou, tout simplement, dans notre terrasse. Et sur ce trou-là, on va venir greffer un arbre géant. On va faire pousser un big tree naturellement sur Minecraft. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop les big trees. Vous pouvez customiser votre arbre à la main. J'ai fait un tutoriel moi-même spécialement pour pouvoir créer vos propres arbres à la main, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, c'est sur la chaîne. Et donc du coup, moi ce que je vais vous montrer, c'est une technique que j'aime bien, c'est de faire une colonne de terre comme ça. Ok, jusque là je dois avoir perdu pas trop de monde. Rajouter une pousse d'arbre sur le dessus, rajouter des blocs de verre comme ça en colonne
par-dessus, en ouvrant sur le dessus comme ça, pour en gros faire un couloir à l'arbre pour le forcer à pousser grand. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ça améliore quand même vos chances d'obtenir un grand arbre sur Minecraft qui génère naturellement. Ça se trouve ça va pas marcher, ça se trouve ça va marcher du premier coup. Et oui, ça marche, mais il y a mieux. Donc ça c'est un big tree, on pourrait avoir un peu mieux quand même. L'idée c'est que une fois avoir eu ça, on peut enlever les blocs de terre en dessous. Et rajouter des troncs d'arbres. Là, notre arbre, il est gros, mais pas assez à mon goût. Donc, on va pouvoir le customiser à la main, lui rajouter des feuilles. Voilà, donc on va lui rajouter une grosse masse de feuilles ici, par exemple. Hein, parce qu'on aime les masses de feuilles. Surtout, c'est la fumée. Bref, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une blague comme ça, tiens. Je sais que ça vous avait manqué. Hop, on va pouvoir rajouter une branche sur le côté, ici aussi. Et rajouter une grosse masse de feuilles, là aussi. Hop, pour que notre arbre soit un petit peu plus mieux, un peu plus volumineux. Hop. Voilà, est-ce qu'il est plus volumineux mon arbre? Oui, il est plus volumineux quand même, hein, on va pas se mentir. En plus, ça permet de vraiment mettre en perspective la taille de la maison. Là, tu vois, c'est un big tree de Minecraft. À côté de ce genre d'arbre là, on est tout petit, vraiment, tu vois, là, notre personnage, il fait 2 mètres de haut, à peu près. L'arbre, il est géant à côté de nous, vraiment, hein. Et quand tu t'éloignes et que tu regardes la maison de loin, bah, tu te rends compte que la maison, elle est plus grande que l'arbre. Et donc, ça permet vraiment de mettre les choses en perspective et te dire vraiment que la maison, elle est énorme, quoi. Elle est vraiment énorme. Donc, l'idée, c'est qu'on va reprendre la même technique, hein, de faire pousser des big trees comme ça, et on va les faire pousser un arbre ici, du coup. Ok, bah, je le ferai pousser tout à l'heure, hein. Un autre à ce niveau là, alors désaxé par rapport à notre truc ici, tu vois, là on a, si on est au sol, notre maison qui est toute grande, toute belle. L'idée c'est que si on met un arbre en plein milieu, eh bien ça va nous gâcher la vue, et donc il faut mettre un arbre vraiment que sur le côté ici comme ça, ok, comme ça il ne gâche pas la vue par rapport à la maison. Ok, on en met un ici aussi. Ok, et évidemment, on va en mettre un dans notre carré d'herbe qu'on a au devant de la maison ici, comme ça. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir des arbres qui ont de différentes tailles. L'idée, c'est d'avoir un arbre un peu au-dessus de la maison, un peu plus grand que la maison, et les autres qui sont à peu près à la taille de la maison, comme ça, c'est un peu bien. Voilà. Et un autre arbre ici, comme ça. Donc à chaque fois, des big trees, des grands, 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 grands arbres. Et je vous montre à quoi ça donne. Voilà un peu l'idée. Alors comme tu le vois, ça rajoute quand même de la vie. C'est plus sympa. Comme c'est une maison en bois, ça fait penser un peu au style forêt. Et donc, bah, rajouter des grands arbres à côté, je trouve que ça donne, ça a fait un peu rappeler ce côté-là. Voilà. Alors maintenant, on va rapidement finir du coup par les accès. Voilà. On va faire des chemins avec des bûches avec la face vers le haut, en fait. C'est ça que moi j'aime bien. Hop, et que j'ai voulu refaire avec cette maison là, qui est une maison, comme j'ai dit, en bois, qui fait penser au style forestier. Et donc du coup, bah, j'ai mis du bois partout, et notamment les chemins en rondins comme ça, moi je trouve ça bien. Donc l'idée, c'est qu'on va venir faire un chemin entre la terrasse ici, entre cette porte là. On va venir faire, hop, ici jusque là, hop, jusqu'ici aussi, tu vois. Voilà, donc tout un chemin en rondin ici comme ça. Hop, donc on met des rondins partout. Face vers le haut. Voilà. Donc tu vois, c'est en mignon, hein, c'est, moi j'aime bien. L'idée, du coup, on va faire la même chose de l'autre côté ici. On prolonge le chemin à ce niveau-là. Et on fait, voilà, une jonction, évidemment, face vers le haut. Hop. Voilà, l'idée c'est que ici par exemple on peut faire un petit ponton pour aller sur l'île et faire un quai de pêche, c'est ça que j'avais fait moi. Voilà, ou faire un ponton, un chemin ici, tu vois, pour aller jusque sur la berge, pour faire des choses, je ne sais pas, hein, peut-être aménager une plage ou quelque chose. Du coup c'est ça. Alors on peut aussi faire du coup des chemins pour aller de notre cour à ce niveau là jusqu'à notre entrée là bas tu vois, donc on va pouvoir ouvrir ici là, on va pouvoir faire une autre ouverture à ce niveau là
Et faire un chemin qui va venir de notre porte là-bas, tu vois. Faire un chemin qui va venir comme ça, longer le côté de notre cour ici, et se relier, et donc faire un chemin qui va passer tout derrière notre cour, rejoindre notre parking qui sera là-bas, donc je l'ai pas encore fait le parking, et qui va du coup avoir des accès à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc je vais faire le tracé et je te montre. Donc voilà un peu le tracé pour le moment. Vous voyez, donc c'est une route que j'ai fait, voilà, comme ça, dans le sol, hein, creusée dans le sol directement. L'idée, c'est d'avoir voilà, une route assez fluide avec des beaux arrondis. Voilà, ici par exemple, ils sont pas super super beaux. Ici, c'est un peu mieux. Voilà, de refaire recoller par exemple à certains endroits de notre boutique ici là. Je vais refaire un autre passage ici par là. Hop, ici par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des belles courbes ici comme ça, vous voyez. Donc une fois qu'on a ça, on peut augmenter la largeur de notre bazar. Hop, 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 hop. Et puis, voilà. Donc on peut tout simplement rajouter des bûches comme ça, face vers le haut, dans tout notre trou ici. Et voici ce que ça donne. Et honnêtement, moi j'aime bien. C'est très très bucolique dans l'idée. Moi ça me plaît complètement. Alors du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques petites décorations, notamment florales. On va rajouter des fleurs, des voilà, des fleurs. Peut-être quelques roses, je ne sais pas. Hop, pas des roses, elles sont voilà, des pivoines, peut-être. Voilà. Donc des fleurs bleues autour des machins comme ça, des cabanes. Des arbres plutôt. C'est vrai qu'on pourrait faire des cabanes dans ces arbres-là. Ce sont des big trees, on pourrait faire des petites cabanes à l'intérieur des arbres, tu vois, avec des passerelles entre la cabane et la maison. Oh putain, je commence à avoir des idées là. Ah non, mais on pourrait même faire carrément des terrasses suspendues dans les airs, accrochées à des cabanes en bois dans les arbres, et faire une terrasse directement surélevée, qui donne directement sur le toit de la maison, tu vois. Genre, tu fais une cabane dans l'arbre ici, t'as une terrasse qui est commune entre la cabane de l'arbre et le toit de la maison, et tu peux aller dedans et tout, tu vois, ça pourrait faire ultra stylé avec un espèce d'escalier en colimaçon qui descend tout jusqu'en bas et tout, et même une piscine qui est autour de l'arbre, tu vois. Genre, t'as la piscine qui est en forme de U, tu sais, t'as une espèce d'îlot au milieu de la piscine qui est sous-élevé, tu vois, donc qui est creusé dans le sol, et l'arbre, en fait, il est énorme. Je pars de commencer à partir dans les délires, mais tu vois, si ça donne des idées. Donc tu vois, voilà, faire un peu comme je faisais, si jamais tu vois ce dont je parle, des salons à l'intérieur des piscines, donc creusés dans la piscine, avec des parois en verre qui permettent de regarder la flotte, du coup, sur les parois du salon à l'intérieur de la piscine, et à la place du salon, mettre des arbres comme ça qui montent tout en haut du toit de la maison. Et donc avec terrasse commune et tout ça et tout ça. Oh, ça serait tellement stylé. Ça me donne des idées cette histoire. Bref, du coup, on va rajouter des arbres au niveau du bas de chacun de nos... des fleurs au niveau de chacun de nos arbres. Voilà, pour faire un petit peu un coin sympatoche. Voilà. Et du coup, la prochaine fois, on fera le jardin, le grand, 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 grand jardin absolument magnifique que je vais vous remontrer maintenant. Mais regarde quand même, la maison, elle n'est pas dégueu, hein. Moi, j'aime bien. Vraiment, la maison, honnêtement, c'était secondaire. C'était la deuxième chose. J'avais pas pour projet de faire la maison à la base. C'était vraiment faire le jardin. Je vais vous montrer. Hop, déjà, voilà, je suis reparti sur mon terrain tout fini. À la base, j'avais vraiment prévu de ne faire que le terrain, enfin le jardin ici, vous voyez. C'était mon projet initial. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, une maison pour aller avec ce jardin-là, ça serait sympa. Et j'ai donc construit petit à petit une maison comme ça, mais qui n'était pas du tout censée à la base être aussi balèze. Pour te dire, à la base, c'était juste censé être la partie de la maison ici, tu vois, la petite partie. Et après, je me suis dit, oh, et tant qu'à faire, bam, je te pointe un gros machin. Et enfin voilà, je suis pris dans l'excitation et je suis parti en live complet. Bref, il s'agit donc d'une reproduction d'un jardin en permaculture sur Minecraft. Oui, c'est une première mondiale. Et donc, on se retrouve demain normalement pour la construction de cette
de ce jardin-là sur Minecraft. Donc n'hésite pas. Sur ce, très bon jeu à tous, bon vent Matelot, et à la prochaine!